Direction à présent Nouna, dans la province de la Kossi, région de la boucle du Mouroun. Un monument de plus vient rendre hommage à Daniel Wezin Koulibaly. L'homme est considéré comme l'une des figures les plus emblématiques de la vie politique voltaïque. L'inauguration du monument avec Yves Wamba et Karim Draogo. C'est fait. Daniel Wezin Koulibaly a son monument dans la ville de Nouna. Né à Pouilly dans les Panois en 1909 et décédé le 7 septembre 1958, Daniel Wezin Koulibaly a joué un grand rôle dans la vie politique de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région. À travers ce monument, la nation burkinabé rend hommage à ce héros. Doigt en l'air, ce monument de 2 mètres environ se veut un message et un repère pour la jeunesse. Daniel Wezin Koulibaly s'est beaucoup consacré à la cause de notre patrie et aujourd'hui il était de notre devoir de diriger ce mémorial, ce monument pour que cette personnalité constitue notamment un repère pour notre nation pour que les actes qu'il a posés soient des références afin qu'il puisse inspirer chaque jour la marche de notre nation. Ce monument se dresse devant une génération qui doit s'inspirer de son combat pour la liberté. Pour que nous, jeunes générations, puissions nous inspirer de ce qu'il a été, c'est-à-dire un combattant pour la liberté, un combattant pour l'émancipation des masses, surtout pour ses qualités d'ingrédients et la politique qu'il a menée de façon désintéressée. La municipalité et ses partenaires comptent poursuivre le reste du travail pour que ce monument soit un site d'attraction pour le tourisme.